Salut les amis, allez, toujours dans le trip de 3 jours à Bologne, on est sur le jour 2 et on est parti à l'assaut de la montagne de Lure. Et normalement on va se taper l'enduro pour descendre, donc ça va être un régal. On est en train de s'équiper, le temps est là, la partie beau soleil, on va se régaler encore aujourd'hui, je le sens bien. Allez, c'est parti. On commence dans le village, regardez-moi comme c'est bien sympa, c'est bien joli. Et on va aller récupérer le début du parcours. Allez, on a retrouvé les chemins infinis. On est sur le parcours. C'est parti pour une belle journée de VTT. Alors au programme, là, on va se faire un petit tour sur la montagne de Lure. Redescendre par un enduro. On a 30 bornes, je ne sais pas combien de dénivelé, j'ai même pas regardé. Et si on est encore en forme, on redescendra au camping, on se rajoutera une boucle de 20 km et on retournera chercher les voitures après. Voilà, ça c'est le programme. On verra. Déjà on va essayer de boucler pour mes parcours. Dans cette vidéo, il va y avoir que des panoramas. C'est magnifique avec papy Alain devant, il nous met le rythme avec le VAE. En plus il a pu le charger, là on a trouvé une prise sur le vélo, putain. Ah là là. Allez, fini la rigolade, ça commence à monter et c'est pas fini, c'est que le début. Va falloir s'économiser. Dans les pattes, il y a quand même la sortie d'hier et il y a encore la sortie de demain à gérer. Je vous l'ai dit, il va y avoir que des panoramas sur cette vidéo. Je vous fais partager la beauté du coin. C'est vraiment magnifique. Focalise sur le meilleur, hein, pas sur les trucs. Putain, je suis dégueu. Allez, on est toujours dans la montée. Si le GPS est juste, il reste encore 4 km pour 400 mètres de dénivelé. Pour l'instant, ça monte cool contrairement à hier. Donc c'est assez cool. Les jambes sont là. Le souffle est là, il n'y a que le dos. Je t'ai déjà oublié de me bourrer de médicaments ce matin, mais ça n'a rien fait passer. Donc ben, on va serrer les dents. Et continue, en tout cas c'est un régal visuel et franchement c'est vraiment top. J'espère que vous aussi vous arrivez à vous caler des trips de 3 jours entre collègues parce que c'est vraiment leur rêve. Et on est toujours dans l'ascension, on a fait à peu près 10 km, 400 mètres de dénivelé, toujours aussi joli, mais on n'est toujours pas en haut, il va en rester encore. On était monté dans une merde comme ça. Ouh. Voilà. Ça monte dur. Ça hein. Grimpe. Ah, mauvais temps pour les gens lourds, on va dire. C'est un euphémisme. Les choses sérieuses arrivent là. Ça que... Les choses sérieuses quoi. Descendre dans les rochers, mais avec les genouillères. Et là, c'était Enzo qui m'avait dit, Philippe, les genouillères, elles sont d'une grande utilité sur les chaussures. En place, ça continue à grimper.
C'est tout de suite. Ça descendouille un peu, piste large. On prend quand même, ça repose. Mètres à droite, Philippe. Bon, c'est le même. Vous avez fait une descente, la sanction est irrévocable. Montez en single. Prends ça dans tes jambes. Putain. Là, on est. Là, tu le sens que tu es en montagne. Ça y est. Parcours, il se durcit. Mais hein, parce que. Ouais, mais je vais pas vite, moi. Je vais commencer tranquille. Moi. Je me mets dans. Ouais, mais moi, je vais commencer tranquille, je vais finir tranquille. Là, tu... Allez, on est parti. Apparemment, c'est l'enduro. On va voir ça. Mais alors là, on est vraiment dans un. Dans un chemin type montagne. Là, on y est. Là, tu sais que t'es parti en promenade de la maison. Là, ça n'a plus rien à voir avec mon sentier à nous. Ouh! Petit saut. En plus, il y a du grip pour l'instant. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'on connaît pas. Allez, petite relance. Alors, on devrait en avoir pour 3 km. Si je me fie au GPS, c'est serré. C'est passé. Un peu trop freiné, mais bon, on connaît pas. Ah, ça remonte. Putain, j'ai pas la vitesse qu'il faut. C'est passé. Alors, on l'a déjà fait. Alors, on va ailleurs. Bon, c'était déjà bon la première partie là. Là, je pense qu'il y a une petite liaison, ça monte là, et ça va. On va continuer sur ce petit itinéraire enduro là. Allez, je pense que c'est reparti pour un petit peu de descente. Attention là. Voilà, faut pas. Ah, là, c'est tout ce que j'aime pas. Allez, lâche tout. Oh, le petit deux verres sur le côté là où tu passes. Ah, ah. Thank you.
c'est un enduro tout en roulant, ça. Allez, tu finis la descente et t'as ça sous les yeux, c'est pas beau. Je vous avais dit que ça serait une vidéo panorama. Bah c'est le cas. Ah putain, regarde-moi ce panorama, quand sans déconner, la tronche qu'il a. Ah, allez, on est sorti du village, on récupère les pistes et on est parti pour la deuxième ascension qui va se dérouler sur 4 km, un peu plus de 4 km. Voilà. Pour l'instant, une sortie sans faute, un régal. On a bien monté, mais on a été récompensé par une belle descente. Et j'espère que de ce côté, ça sera pareil. Les copains sont là, on se régale avec l'ambiance. Enfin bref, un trip VTT de folie. Allez, ça continue à monter. J'ai les jambes, du coup. Je suis parti à bon rythme. Paysage doit me griser, je sais pas, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu les cuisses par rapport aux dernières sorties là. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce trip, il me fait moralement vraiment du bien là, de s'aérer un petit peu l'esprit, voir des beaux paysages et les copains. Un combo idéal et en ces temps, ça a pas de prix. Enfin voilà, j'espère que vous arrivez vous aussi à partager des moments comme ça. Allez, on continue. On se retrouve en haut. Petite rencontre, on est sur une montée. Le fan club. Allez, ça monte toujours. Impeccable. Pour l'instant, ça suit. Un peu essoufflé quand même. Mais les panoramas efface tout ça. Ah, je sais pas, non, ouais, c'est normal. Ah ouais? Ouais. On a fait que 700. Ouais. Moi j'ai encore démonté. T'as encore démonté? Moi ouais. Rien. Ouais, deux petits coups de cul là. Un froid. Bon, là ça descend sur une piste un petit peu large, un petit peu dommage, mais par contre, putain, c'est beau. Oh, c'est fantastique. Ouh. C'est magique. Ah, je vous laisse en vidéo tellement c'est beau. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Attends, regarde. Le coin-coin qui vous emmène au sommet. Bon ben ça redescend un peu là. Ça devient beaucoup plus intéressant. J'ai pas mis les genouillères. Je les avais remis dans le sac. Tant pis. C'est beau là. Putain, après j'ai oublié de prendre les rechanges pendant la bagnole. Ça va être bon. C'est un petit peu glissant du coup. Allez, c'est bon. Allez, on prend plus. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Cochonné. J'en ai foutu partout. Putain, c'est con, on s'en fout de partout là. Ouais, hein. On se fait chier quand même, hein, ici. Hein. Ouais. Franchement, un trip de merde. Faut ça monte, les descentes elles sont pourries, les paysages ils sont pas beaux. C'est vraiment raison, merdique. Ouais.
Franchement, j'aurais dû rester à la maison. On est tout pourri du coup. Voilà, c'est déconné. Allez, c'est reparti. C'est mon tour ? Oh putain, c'est encore pourri là. Bon, de toute façon, on est dégueu maintenant. C'est bon. Pas de couilles, on y va. Attends, ça va où là ? Là. Ah, on fait là. Un petit moment de déconcentration là. J'ai failli me mettre au tas. Ouh. Ah ouais. Là, ça aurait nécessité les genouillères. J'espère que la racine elle glisse pas. Allez, c'est bon. Oh con la racine. Hein ? Ouais, c'est bon. J'avais peur des racines en fait. Nickel. Un peu grand, mais bien. Saut. Oh putain, Dudu. Tchou, 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 bouge pas. Hop. Bien sûr que ça passe. Même avec des petits sauts. Ah, Seb, il se lâche là. Il est fou ce Seb. Là j'ai pas levé, j'ai fait la merde. Aïe. J'ai du mal à lever l'avant. J'ai envie mais j'ai du mal. C'est reparti, ça descend. Enfin, je sais pas. Bon, c'était bon hein. Ce morceau de descente il était. Ah. Oh. Ah, c'est passé. Oui, je disais, ce morceau de descente était vraiment, vraiment top. Bon, je la sens pas bien, là. Ouf ! Ah ! Un pied ! Niqué ! Ah merde, c'est pas là. Elle est pas froide. Mais j'ai les pieds fragiles. Oh. Ah, et du coup, avec un petit pied trempé, on est reparti. Petite ascension de 3 km qui devrait nous redescendre après. Oh, voiture pour la fin du premier petit tour. Et puis normalement cet après-midi, ben, on en fait un deuxième. Enfin, cet après-midi, il est déjà 13h, hein, il est pas loin de 13h quand même. Hein. Ah regarde, on fait 50 mètres et on tombe sur ça. C'est pas beau les petits poulains. Oh là là. Continue de pédaler là, petit single sympa là, c'est toujours aussi joli. Je sais plus quoi vous filmer tellement que c'est beau. Je suis perdu là. Thank you.
Allez, ça se rentrouille tranquillement là, ça sent le repas là. Une petite collation du midi. Toujours, comme vous pouvez le voir, dans des panoramas de fou. Du coup, on va bouffer, manger, pardon. Et après, on va voir l'état des troupes. Si on fait tirer jusqu'au camping et après on vient récupérer les voitures. Ou si on rentre en voiture. On va voir ça. Nouveau VTT. Petite pause pique-nique et après c'est du coup reparti pour un petit tour. On va en chier. Ça va être 5 km, 102 mètres. Toi tu m'en veux. Ouais, du coup je pense que je vais scinder la vidéo en deux. Si c'est le cas, ben, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et si c'est pas le cas, ben, on suit. On verra le temps qu'elle fera. Je l'ai pas vu en montée, mais j'ai vu en descente. Ouais, ils sont en plein effort là. En plein effort. Prêt à repartir. Ouais, mon avis.